quatrième, c'est déjà pas mal au niveau mondial, on va dire. Oui, hein. On va retrouver Pierre Ferbande qui avait fait hier un relais extraordinaire sur le 4x4. Il faisait le troisième relais pour l'équipe de France. Et Richard Coleman, l'Australien en finale du 800 mètres catégorie T53 fauteuil. Record du monde, vous l'avez vu, détenu par le Suisse Hans Frey qui est également dans cette course. Et Pierre, au couloir numéro 5, a pris un excellent départ. Vous le voyez avec son maillot bleu. Il est parti nettement en avance par rapport à Hans Frey, justement le Suisse en maillot rouge. Espérons que Pierre Ferbank va pouvoir se placer mieux que Claude Issora de façon à ne pas se faire enfermer et garder toutes ses chances. Regardez l'effort de ces athlètes pour chercher immédiatement la position préférentielle. Et pour l'instant, Ferbank est idéalement placé puisque c'est lui qui est en tête. Alors a-t-il les qualités de Yatsuoda, le japonais tout à l'heure, qui a fait la course en tête de bout en bout? On l'a vu, Pierre Ferbank qui est un excellent coureur de 4. Le problème là, c'est qu'il va falloir faire deux tours, mais pour l'instant, le premier tour excellent pour Pierre, qui va passer en tête à la cloche. C'est maintenant qu'il va falloir être costaud et résister à la meute, avec notamment Richard Coleman qui s'est bien dégagé, la maillot vert, l'Australien, qui va maintenant passer en troisième position, alors qu'il a du mal, Pierre Ferbank, à tenir. Il est obligé de céder face à Adam Blakeney. L'Américain est derrière, idéalement placé, Richard Coleman. S'il arrive à se décaler, Coleman va être redoutable à l'emballage. Pierre Ferbank qui tient toujours la corde mais qui est en train de faiblir maintenant. Il est en quatrième position, Pierre. Accélération toujours pour l'Américain Adam Blakeney. Et dans la position du chasseur, c'est Richard Coleman. Avec un retour de Hiriboshi, le japonais, ça va être serré, serré. Coleman qui est toujours pas passé. Et oh là là, un dixième de roue pour Coleman en 1:38.68 devant Blakeney, Ferbank et quatrième. Oh là 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 là, il est passé vraiment sur le fil, Coleman, devant Blakeney l'américain et Hiromichi le japonais.